لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله درس اليوم سيكون une production écrite. لم يتسنى لي الوقت لكي أحضر درس في اللغة لون، فأخذت موضوع سنعمل عليه إن شاء الله مجموعين. الموضوع هو donc le sujet d'aujourd'hui c'est durant ton parcours scolaire tu as connu des enseignants qui t'ont fait aimer l'école. À ton avis, un enseignant doit être sévère ou compréhensif? Ou doit-il avoir l'un et l'autre comportement selon les situations? Tu défends ton point de vue par des arguments pertinents et variés. On a deux étudiants seulement. Sayyid Mohamed Al-Hadi wa Moutia. Dans le monde, dans le monde, il y a Mohamed wa ya Moutia. Le monde, on a fait. Oui. Alors, Moutia Faham Nordo ou Mohamed Faham Tal Nordo. Ou à Kadalik Eberkushen, Hajab, Al Nordo Mafoum. Durant ton parcours scolaire, tu as connu des enseignants qui t'ont fait aimer l'école. À ton avis, un enseignant doit être sévère ou compréhensif? Ou doit-il avoir l'un et l'autre comportement selon les situations? Tu défends ton point de vue par des arguments pertinents et variés. يعني أن محمد لم يفهم الموضوع. بمعنى أن خلال مسارك الدراسي عرفت معلمين أو مدرسين جعلك تحب المدرسة. في رأيك المدرس هل يجب أن يكون صارم متفهم أو يكون صارم ومتفهم في نفس الوقت حسب الوضعية أو حسب المواقف؟ وستحاول أن تدافع عن رأيك باستعمالك لحجج مختلفة ودقيقة. إذن أظن الآن الموضوع قد فهمته يا محمد. إذن هنا ما هي الكلمات المفتاح في هذا الموضوع؟ يلا، وإن كان العدد قليل فهذه فرصة لكي يشارك الحاضرين ثلاثة كل حسب مقدرته، ونستطيع أن نعمل سويا
Alors, enseignant, on va dire hal kalimat enseignant, il y a kalimat niftah huna. Ay kalima okhra. Alors, quels sont les autres mots-clés? On parle le mot enseignant, bien sûr, c'est un mot-clé. Oui, sévère. Oui, sévère. Yani sarim. Dalik, compréhensif, yani mutafahim. Nam. Les enseignants sévères, compréhensifs. Waidam. Nam. يلا يا متيا أريد أن تشارك أنت أيضا أو أنت ما أعرف إن كنت رجلا أم امرأة يعني إن كنت تلميذ أو تلميذة استنى نعم يا متيا alors la deuxième phrase في رأيك À ton avis, Feraïk, un enseignant doit être sévère ou compréhensif? Yani Feraïk, hal mudarris yakoun sarim, yajib an yakoun sarim, ou mutafahim? Ou doit-il avoir l'un et l'autre comportement selon la situation? Ou annahu yakoun andahu يعني التصرف الأول يعني يكون سيفير في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان الأخرى يكون متفهم حسب الوضعية وحسب الظروف إذن tu défends ton point de vue تدافع على رأيك avec des arguments pertinents et variés إذن بعد الشرح سنقوم بالبحث عن الأفكار. إذن ما هي الأسباب التي يجب أو ما هي المواقف التي يجب أن يكون فيها الأستاذ صارما؟ أو هل في رأيك أن الأستاذ يجب أن يكون صارم أو أن يكون متفهم؟ لكتابة الموضوع يجب أن يكون عندنا أولا سأقول ما تريد خوزيتي وي سيسا يعني كنت سأقول ذلك يعني أن في الأول المدرس يجب أن يكون سيفير لماذا ونعطي الأسباب أو كذلك يجب أن يكون متفهما ونعطي الأسباب لماذا يجب أن يكون متفهما وكذلك لماذا يجب أن يستعمل التصرفين في أن يكون متفهما وصارما في نفس الوقت حسب الوضعيات وحسب الظروف فهنا نقول لماذا يجب أن يستعمل التصرفات أو الاثنين في نفس الوقت نعم إذن نبدأ بجمع الأفكار الخاصة بهذا الموضوع سأنتظر منكم أن تعطوني بعض الأفكار وسنقوم بكتابتها أولا ثم بعدها نقوم بكتابة الموضوع وأخذ سبورة جديدة أول فكرة أو أول فقرة L'enseignant doit être sévère أنتظر سأكتب الفكرة أولا
L'enseignant doit être sévère. Il doit être sévère. هذه الفكرة الأولى. إذن لماذا يجب أن يكون سيفير؟ سنجمع الأفكار. Dans notre société, il y a des scolaires, soit privées, c'est-à-dire des écoles. Il y a des écoles. Il y a des écoles, soit privées, soit publiques, des enseignants doivent être sévères ou compréhensifs. L'enseignant doit y agir selon les situations. Oui. Mais là, nous devons dire que dans quel cas l'enseignant doit être sévère pour adapter la classe. Donc, on ne dit pas pour adapter, mais pour maîtriser la classe. Oui. Alors, c'est pour maîtriser la classe. Oui. Quand est-ce qu'il doit être sévère aussi? Pour maîtriser la classe. Pourquoi encore? J'attends votre participation, Moussia, Hajar, Ashraf, Mannana Aydan, Nourhan, Mohamed. Pour les élèves, respect. Oui, donc pour que les élèves respecte le prof et se respecte. Alors, pour imposer le respect, donc on va appeler ça pour imposer le respect. Imposer le respect. Donc, pour donner des limites. Pour imposer le respect. Pour que chacun connaît ses limites. D'accord. Pour que chacun connaisse ses limites. Et ça fait partie aussi de la maîtrise de la classe. C'est-à-dire pour maîtriser la classe et pour que chacun connaisse ses limites. Oui. Pourquoi encore? Il faut qu'il soit sévère. Avoir un air d'étude calme pour acheminer la leçon aux élèves. Oui. Donc ici, ça veut dire que pour avoir le calme en classe et permettre aux élèves d'apprendre, c'est-à-dire dans une classe où il y a beaucoup de bruit, on n'apprend pas. Donc ici, pour maîtriser la classe, c'est toujours pour maîtriser la classe, d'accord. Donc pour étudier dans un air calme, hein, pour étudier dans une ambiance calme. Calme et donc l'élève peut comprendre la leçon et l'ambiance calme qui aide l'élève à comprendre. Oui. Quelles sont les autres situations? Donc, quelles sont les autres causes pour lesquelles l'enseignant doit être sévère? Pour maîtriser la classe, afin d'être un professeur de valeur et de prestige. Ça veut dire que le professeur qui n'est pas sévère, c'est un professeur qui n'est pas de valeur et de prestige. Avec la sévérité, le professeur se donne de la valeur. Mais est-ce que c'est le fait d'être sévère qu'on a de la valeur? Là, c'est quelque chose à discuter, Ashraf. يعني ان الاستاذ اذا لم يكن صارم ليس له قيمة.
وفي رأيكم هل هذا صحيح؟ ما الذي يفعل قيمة الأستاذ؟ هل صرامته؟ يعني هنا لا فالور، القيمة اللي نقصد بها قيمة الأستاذ، يعني قيمته العلمية. يعني الأستاذ يقدر أو يقيم بكفاءته في توصيل الدرس أو المعلومة إلى التلميذ، هذه هي لا فالور لو بريستيج دو بروف. إذا هل الصرامة ضرورية لكي يكون الأستاذ ذو قيمة علمية ومكانة علمية، أم أن ذلك لا يتطلب أن يكون صارما؟ لأن هذا بالنسبة لقيمة الأستاذ، هذا تبقى مسألة يعني للجدال والنقاش، وليس بالضرورة أن يكون الأستاذ صارما حتى يكون ذو قيمة. كم أستاذ يكون صارم، يكون يعني له قيمة وكفاءة عالية ولا يحتاج إلى العنف والصرامة لكي يوصل معلوماته إلى التلاميذ. نعم، انتظر كذلك. Les élèves ne peuvent pas tricher en examen. Voilà, très bien, ça c'est important. Pour que les élèves ne trichent pas, à l'examen. Et ça c'est important aussi, hein. C'est bon. Pour que les élèves ne trichent pas à l'examen. Ici, comme ça, on a une égalité de chance. Puisque on ne va pas laisser les autres donner une égalité de chance à tout le monde. Donner une égalité de chance à tout le monde. À tous les élèves. Bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres situations où le prof doit être sévère? Bien sûr, pour les sections de commande et de surveillance. Oui, pendant la surveillance, c'est vrai. Donc, pendant la surveillance des examens, le professeur doit être sévère, hein, pour empêcher les élèves de tricher et pour donner une égalité de chance à tous les élèves. Donc, pendant les séances de surveillance d'examen. Oui. Bien. Alors, pour ne pas trop donc donner d'idées, alors voilà, on va nous suffire à ces idées. Et nous allons passer au deuxième point, c'est quand est-ce que l'enseignant doit être compréhensif. L'enseignant doit être compréhensif quand? L'enseignant doit être compréhensif. Comment? Et quand? En quelle situation? Donnez-moi des exemples. Alors, j'attends votre participation pour les idées concernant la compréhension. Quand est-ce qu'il doit être compréhensif? Quand un élève trouve des problèmes. Oui, bien sûr. Alors, pour aider, donc c'est pour aider les élèves en difficulté. C'est pour aider les élèves en difficulté.
pour aider les élèves en difficulté. Quand encore il doit être compréhensif. Donc, c'est pour aider les élèves en difficulté ou quand un élève trouve des problèmes. Oui. Avoir une communication entre le prof et les élèves. Oui. Donc, pour établir une communication entre établir une communication entre lui et les élèves. Oui, donc ici, c'est la bonne relation entre le prof et les élèves. C'est la communication. S'il y a communication, il y a bonne relation. Donc, pour établir une communication entre lui et les élèves et avoir une bonne relation. Et avoir une bonne relation avec ses élèves, avec eux. Ou encore d'autres idées. Donc, aider l'élève en difficulté ou les élèves en difficulté, établir une communication et avoir une bonne relation avec les élèves. Quand encore, le prof doit être compréhensif. Allez-y, j'attends encore une idée ou deux avant de passer à la rédaction. Comprendre les situations des élèves, oui, oui, donc, oui, comprendre les différentes situations des élèves, des élèves. Comprendre les différentes situations des élèves. Oui. Encore une idée. Il doit jouer le rôle de qui il doit être en même temps, un professeur et quoi encore? Allez, essayez de donner d'autres idées. Sa compréhension donne aux élèves qu'ils doivent être optimistes. Oui. Donner aux élèves le goût d'apprendre. Par sa compréhension, il donnera aux élèves le goût d'apprendre. Oui. Et d'être optimiste. Optimiste. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Alors, comme cela, Mira. Donc, est-ce qu'il y a d'autres idées avant de passer à la rédaction? Donner la chance aux étudiants. Oui, ça, nous avons vu lorsqu'on a dit que comprendre les différentes situations des élèves pour leur donner plus de chances. Oui. Pour leur donner plus de chance.
de réussite. Bon. Alors voilà, donc nous avons quelques idées. On va essayer d'utiliser. Donc, سنحاول أن نبدأ بكتابة الموضوع. نبدأ أولا بكتابة المقدمة، وأذكر دائما أن في المقدمة نقوم بتقديم الموضوع بطريقة عامة، ثم نطرح الموضوع الذي هو موضوع الإشكالية، ثم نقوم بإعطاء تخطيط للعرض، يعني ما هو النظام الذي سنتبعه في عرضنا، أو ما هي الأفكار التي سنقوم بتطويرها في العرض أو مناقشتها في العرض. إذن سأعطيكم يعني وقت محدد لكي تقوموا بكتابة هذه المقدمة. إذن نرجو منكم جميعا أن تحاولوا كتابة مقدمة صغيرة لهذا الموضوع. إذن أنتظر. Alors, dans notre société, il y a des scolaires. Non, on ne dit pas des scolaires, il y a Ashraf. On dit des écoles. Alors, il y a des écoles, soit privées ou publiques. Les enseignants doivent être sévères ou compréhensifs. Pourquoi? Non, sévères aussi compréhensifs. Oui, d'accord. Je vais donner le sujet. Voilà le sujet. On peut même rédiger ici sous le sujet pour l'avoir toujours en face de nous. Alors, dans notre société, il y a des écoles privées et d'autres publiques. من مقدمة أشرف نحاول أن يكون عندنا مقدمة أكثر تفصيل للموضوع. انتظر. مقدمة. لو هاجر تكتب وأريد أن أعرف ماذا ستكتب. انتظر كذلك مشاركة موسيا والآخرين أيضا. إذا قلنا ليكول كيل سوا بريفي أو بيبليك. Les enseignants vont huit mokadima ahsan. On peut commencer par un enseignant. Après mes années d'études, j'ai connu des enseignants qui m'ont donné la passion d'étudier. Alors, est-ce que le prof doit être sévère ou compréhensif ou les deux à la fois? Oui. D'accord, mais. D'accord. On peut parler d'une manière plus générale, Hajar, et dire par exemple, un bon enseignant peut donner à l'élève tout, peut donner à l'élève l'envie de continuer ses études. Un bon enseignant peut donner à l'élève l'envie de continuer ses études. On peut se poser la question, est-ce que c'est parce qu'il est sévère ou parce qu'il est compréhensif, ou bien les deux? Ou bien on peut dire aussi, est-ce que le prof doit être sévère ou compréhensif, ou les deux à la fois? On peut aussi dire que l'école
Nous, à l'école, nous rencontrons beaucoup de profs à l'école. Nous rencontrons durant notre parcours scolaire, notre parcours, beaucoup de profs. Nous rencontrons beaucoup de profs. Il y en a ceux qui nous donnent, qui nous font aimer les cours, il y en a d'autres, non. C'est-à-dire, il y en a ceux qui nous donnent envie d'étudier, d'autres nous fassent détester les études. Il existe ceux qui nous donnent envie d'étudier et ceux qui nous font détester l'école, les études. Donc, un enseignant doit-il être sévère ou compréhensif ou les deux à la fois? Voilà donc notre introduction. Alors, à l'école, nous rencontrons durant notre parcours beaucoup de professeurs. Il existe ceux qui nous donnent envie d'étudier et ceux qui nous font détester les études. Donc, un enseignant doit être sévère ou compréhensif ou les deux à la fois. Peut-il être? Bien. Alors maintenant, pour la première partie. Pour la première partie, donc on peut commencer par. Alors, qui nous donne un début pour la première partie? Un début pour la première partie. Je peux commencer par exemple par. Nul ne peut nier. Nul ne peut nier le rôle de l'enseignant dans la relation que l'élève a avec l'école. Ainsi, soit l'élève aime l'école, soit il la déteste. Et bien sûr, nous avons dit que il peut Donc, lui ne peut nier le rôle de l'enseignant dans la relation que l'élève a avec l'école. Ainsi, soit l'élève aime l'école, l'aime, soit il la déteste. Pour ne pas répéter l'école, ainsi, soit l'élève l'aime, soit il la déteste. Selon que le professeur ou le
selon que le professeur soit sévère ou compréhensif. C'est vrai, le prof ou l'enseignant doit être sévère. C'est vrai, l'enseignant doit être sévère pour plusieurs raisons. Alors, on va voir le résultat, motif, pour maîtriser la classe, pour imposer le respect, pour maîtriser la classe et empêcher les élèves non disciplinés, indisciplinés de commettre des bêtises en classe, de faire des bêtises en classe, de faire des bêtises en classe et d'empêcher ou de priver les autres du calme nécessaire qui aide les élèves à comprendre et à suivre leurs études et à suivre le cours, c'est à suivre le cours. Nous avons dit aussi pour que chacun connaisse ses limites, pour étudier en bien, cela disait, on l'a déjà dit, pour que les élèves ne trichent pas l'examen, oui. Alors, pour maîtriser la classe et empêcher les élèves indisciplinés de faire des bêtises en classe, de faire des bêtises, et de priver, de ne pas répéter la classe, de priver les autres du calme nécessaire qui aide les élèves à comprendre et à suivre le cours. On vient à la ligne. De même, un professeur sévère dit impose le respect, le respect et permet aux élèves d'apprendre un bon comportement avec les autres. Car sans respect, on ne peut pas vivre dans la société. Car sans respect, la vie devient difficile dans la société. Nous avons aussi autre exemple, par exemple, nous avons les examens. En plus, en cas d'examen, donc en plus, en cas d'examen, si le professeur n'est pas sévère, les élèves vont tricher et il n'y aura pas et il n'y aura pas une qualité de chance. Pas une qualité de chance entre tous les apprenants de ce. Cependant, et là nous allons passer au deuxième point, cependant,
Non, nous devons compréhensif. Et là, nous devons revenir un peu en arrière, un peu plus loin, nous sommes un peu. Mais nous commençons notre deuxième partie. Cependant, il doit être en même temps compréhensible pour aider les élèves en difficulté, pour aider les élèves en difficulté. Nous avons dû aussi établir une communication, nous avons dû comprendre les différentes situations des élèves pour leur donner plus de chances de réussir par sa compréhension et donnant aux élèves le goût d'apprendre et d'être optimiste. Donc, cependant, il doit être en même temps compréhensible pour aider les élèves en difficulté. Par sa compréhension, les élèves vont pouvoir communiquer avec lui, avec lui. Ainsi, une bonne relation s'établira entre eux et ce qui permettra à l'élève d'aimer l'école et de réussir. Grâce à ce comportement positif, l'enseignant, alors on me dit, enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Comprend les différentes situations des élèves, les différentes situations des élèves et permet donc les Donc, l'enseignant comprend les différentes situations des élèves et leur vient l'aide en cas de difficulté. Nous arrivons ainsi à la fin. Là, on va essayer de m'entendre. Merci. On va pouvoir écrire la conclusion. Pour terminer, finalement, nous avons vu quand le professeur doit être sévère et quand et pourquoi il doit être compréhensible. Alors là, nous devons donner le point de vue personnel. Personnellement, j'aimerais que l'enseignant ait les deux comportements à la fois selon les situations. Le texte. À l'école, nous rencontrons, attention, s'il y a une faute, rencontrons avec S. Donc, à l'école, nous rencontrons, durant notre parcours, beaucoup de professeurs. Il existe ceux qui nous donnent envie d'étudier et ceux qui nous font détester les études. Donc, un enseignant doit-il être sévère ou compréhensif ou les deux à la fois? Nul ne peut nier le rôle de l'enseignant dans la relation que l'élève a avec l'école. Ainsi, soit l'élève l'aime, soit il la déteste, selon que le professeur soit sévère ou compréhensif. C'est vrai, l'enseignant. Alors là, il faut qu'on change un petit peu ça, parce que aimer et détester doit aller avec sévère et compréhensif. Donc là, on a utilisé sévère d'abord et compréhensif après, donc ça veut dire qu'on doit changer ici. On doit utiliser détester avec sévère et aimer avec compréhensif. Donc, soit l'élève la déteste, soit il l'aime. Selon que le professeur soit sévère ou compréhensif.
C'est vrai, l'enseignant doit être sévère pour plusieurs raisons. Pour maîtriser la classe et empêcher les élèves indisciplinés de faire des bêtises et de priver les autres du calme nécessaire qui aide les élèves à comprendre et à suivre le cours. De même, un professeur sévère impose le respect et permet aux élèves d'apprendre un bon comportement avec les autres. Un bon comportement avec les autres. Non, ça c'est pas bon. D'apprendre comment se comporter avec les autres. D'apprendre comment se comporter avec les autres. Car sans respect, la vie devient difficile dans la société. En plus, en cas d'examen, si le professeur n'est pas célèbre, les élèves vont tricher et il n'y aura pas une égalité de chance. Cependant, il doit être en même temps compréhensif pour aider les élèves en difficulté. Par sa compréhension, les élèves vont pouvoir communiquer avec lui. Ainsi, là, ils devront mettre la majuscule, une bonne relation s'établira entre eux, ce qui permettra à l'élève d'aimer l'école et de réussir. Grâce à ce comportement positif, l'enseignant comprend les différentes situations des élèves et leur vient en aide en cas de difficulté. Finalement, nous avons vu quand le professeur doit être sévère et quand et pourquoi il doit être compréhensif. Encore une fois, j'ai commis la faute ici. Personnellement, j'aimerais que l'enseignant ait les deux comportements à la fois selon les situations. Voilà donc, notre sujet est terminé. J'espère donc que vous avez. Oui, donc cela augmente le niveau des élèves. Oui. Permet au niveau des élèves de devenir meilleur. Là, on peut l'ajouter ici. Ainsi, une bonne relation s'établira entre eux, ce qui permettra à l'élève d'aimer l'école et de réussir. Ou aussi, le niveau de l'élève soit amélioré aussi. Bien. Alors, j'espère que vous avez vu donc comment on peut rédiger ce sujet. Pour Ashraf, c'est la correction de votre sujet que vous avez travaillé aujourd'hui en classe. Et donc, j'espère que vous êtes proche de la réponse. Si vous n'avez pas de questions, donc je vous souhaite une bonne soirée et on se rencontrera, Inch'Allah, jeudi. Bonne nuit et au revoir.